la personnalité qui s'est donné le nom de l'idée de ce soir. Avec mon honnêteté, monsieur le camarade Thomas, nous souhaitons, avec votre permission, féliciter monsieur et madame les nouveaux mariés. Donc nous souhaitons profiter pour vous dire que le 6 mars, nous comptons sur tous. Nous comptons sur nos mamans, nous comptons sur nos papas, nous comptons sur vous, la jeunesse, pour que le 6 mars, les choses changent à demain. Pour que le 6 mars, les nouvelles. Une bonne donne soit amorcée à gagner. Alors, s'il y a une jeunesse ici qui m'entend, s'il y a une jeunesse ici qui m'écoute, sachez que cette candidature est la candidature des jeunes. Le 6 mars, nous allons donc faire la différence. Une différence qui va démontrer que Adjamé s'est levé. Adjamé s'est levé avec de nouveaux leaders, des leaders jeunes. Adjamé s'est levé avec M. Béni et M. Camara pour dire trop c'est trop, parce que désormais, Adjamé va connaître un changement. Quand vous arrivez, le deuxième candidat, vous voyez M. Ben Sissé et M. Camara, alors marquez une croix là, et vous, le slogan, c'est Adjamé le para. Adjamé le para qui veut dire Adjamé le travail. Un travail bien fait, et grâce à eux, au soir du 6 mars, vous allez voir que les couleurs d'Adjamé vont changer. Vous dire que nous sommes candidats. Vous dire que cette candidature est la vôtre quand vous êtes jeune. C'est vous qui sortez chaque matin aller chercher de quoi manger pour nos parents. Mais si nous sommes méprisés, si nous n'avons pas d'emploi, comment est-ce que nous allons faire pour subvenir à nos besoins? C'est pour ça que nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, on prend notre destin en main, car c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Adjamé a besoin d'un vent nouveau. Aujourd'hui, Adjamé a besoin de gens qui peuvent vraiment aider la population d'Adjamé. Nous sommes jeunes, certes, nous sommes enfants d'Adjamé. D'autant les gens vont dire, mais ce sont les jeunes. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas des jeunes, comme mon frère l'a dit, ce n'est pas permis à tout le monde. On a Ben Sissé qui est mon colissier, qui est un avocat international, connu de tout le monde. Il est avocat au barreau de New York et au barreau de Paris. Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis opérateur économique, chef d'entreprise en bâtiment. Afin qu'elle puisse parler aux jeunes d'Anyama, nous sommes ici dans un mariage. C'est vrai, le mariage aujourd'hui, c'est une union, c'est une joie. Et c'est cette même joie que nous voulons apporter à la commune d'Adjamé. C'est notre frère. Non, on le suit. Aussi mobilisé qu'on a été depuis toujours, et pour que le 6 mars la victoire soit garantie. Donc je vais m'arrêter là sur un peu sur la vie. Pourquoi? Parce que même si nous on échoue, on ne sort pas, vous allez reprendre où nous on a commencé, et sur les acquis qu'on aura laissés, vous allez commencer quelque chose sur ça. Et puis ça sera plus facile dans les années à venir. Ah mon gars, merci beaucoup. Merci. Moussa va. Bicho. Frère. On a mis des gens en prison pendant que tout estimait que la prison était trop compliquée. Et ils sont allés à la soupe. Quand ça a commencé à aller pour eux, quand ils reviennent, ils disent, mais non, quand c'était compliqué, ils disent, mais non. Donc c'est quand c'est difficile là qu'il faut être là. Si nous on a 10 francs, que toi tu as besoin de 20 francs, que tu prends 10 francs pour aller travailler là, nous on met ça dans notre vie. Donc on dit, nous voir. Frère, bonsoir aux jeunes frères. Bonsoir à tous. Également aux membres de l'équipe qui m'accompagne ce soir. Alors, on devait venir aussi dimanche dernier, je pense qu'il y a eu un petit quiproquo. Parce que effectivement, nous on ne s'attendait pas à venir ici dimanche, on s'attendait plutôt à ce que vous nous rappeliez, vous nous dire quand est-ce qu'on devait revenir. 5 ans plus tard, quand on se plaignait là, mais c'était mieux. Nous on n'avait pas un peu de goudron, c'était de la poudre de goudron à l'époque, qui avait été généreusement mis à notre disposition par l'un des maires qu'on a fait d'Amérique la Sénat, qui s'est tellement connu. Pardon ? C'est le même quartier que nous vivons, exactement. Et après, il y a eu des couloirs de bus qui étaient assez bien organisés, où il y a une partie qui était réservée aux bus, l'autre partie qui était réservée aux taxis. Vraiment, nous, on joue au football. C'est-à-dire que la pagaille que vous voyez là, nous, de nuit, là, c'est vraiment qu'on joue au football. Même dans Petit Lomé, là, nous, on joue au football. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe que de nous. Tout a disparu. Le bouton a disparu, les rues n'existent que de nous, c'est la pagaille partout. Si vous sortez et que vous avez une chaîne en or ou quelque chose, je pense que vous savez tout ce que vous risquez dans cette zone-là. Tu vois, nous on est revenus et puis on s'est rendu compte que les choses sont allées de mal en pire.